Vous êtes au Parlement européen et vous les avez vus faire, vous les avez vus pratiquer, vous avez vécu cette trahison permanente. Jean-François, est-ce que tu peux témoigner de ce que tu as vu ? Oui, je dois dire que c'est un des motifs d'étonnement majeur au Parlement européen quand on rentre dans l'hémicycle de cette Assemblée, c'est de voir à quel point on s'imagine pas, parce que quand on est dans les campagnes électorales, on voit des polémiques parfois extrêmement vives, et on se dit on va retrouver ces polémiques dans l'enceinte du Parlement. Ben, pas du tout. Le grand motif de surprise quand on est dans cette Assemblée, c'est qu'on voit qu'ils sont pour la plupart tous copains comme cochons, quasiment ils n'ont aucune divergence de fond sur les dossiers les plus importants. Je voudrais rappeler, parce qu'il est toujours bon quand on conduit un véhicule de regarder dans le rétroviseur, un certain nombre de dates. 1979, premières élections au Parlement européen au suffrage universel direct. Jacques Chirac, qui n'était pas encore président de la République, conduit la liste RPR à l'époque. C'était une liste intitulée « Défendre les intérêts de la France en Europe ». Quelques semaines auparavant, il avait lancé un appel qui était l'appel de Cochin, en décembre 78, où il avait accusé ses partenaires de l'UDF d'être l'incarnation du parti de l'étranger. Il faut bien dire que les temps ont beaucoup changé depuis. 16 ans plus tard, président de la République, Jacques Chirac initie avec ses partenaires européens un référendum sur la Constitution européenne. Ce référendum est sanctionné par les Français avec 55% des voix. 2 ans plus tard, on présente au Parlement, parce que les Français avaient mal voté, on présente au Parlement français un copier-coller de ce texte qu'on fait voter au forceps par le Congrès à Versailles. C'était au début du septennat de Nicolas Sarkozy. Alors, c'est Winston Churchill qui disait « Certains changent de parti à cause de leur opinion, d'autres changent d'opinion en fonction de leur parti ». Je crois que c'est tout à fait l'illustration de ce qu'on observe au Parlement européen depuis maintenant effectivement 30 ans. Je voudrais rappeler, parce qu'on est tenu par le temps, mais rappeler quelques textes, quelques exemples assez emblématiques sur des sujets qui sont tout à fait essentiels et qui devraient passionner les Français tant ils touchent à leur vie quotidienne. 2006, la directive Bekenstein, c'est la fameuse directive sur le plombier polonais, en vertu de laquelle un travailleur étranger originaire d'un État de l'Union serait soumis aux règles fiscales et sociales de son pays d'origine. Ce texte a été voté bras dessus par la droite libérale et la gauche socialiste. 2010, programme européen de réinstallation des migrants. De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement d'accueillir des personnes ayant déjà trouvé un premier asile dans un des pays de l'Union, et bien de l'accueillir dans le pays de son choix. Il a dans un premier temps été accueilli au titre de l'asile, mais il peut choisir dans un deuxième temps le pays de l'Union européenne de son choix, qui lui offre des avantages beaucoup plus importants. Là encore, le texte a été voté unanimement et par la droite et par la gauche au Parlement européen contre l'avis des peuples de l'Union. 2012, suppression des quotas laitiers. Les quotas laitiers avaient pour but de garantir un minimum de revenus aux agriculteurs. La suppression des quotas laitiers de 2012 s'est faite au détriment des agriculteurs européens et là encore avec l'imprimature de la droite parlementaire et de la gauche socialiste au Parlement européen. 2014, conditions d'entrée et de travail des saisonniers. Là encore, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de reconnaître aux travailleurs saisonniers des droits quasiment permanents, tant sur le plan des prestations sociales que des prestations familiales. Là encore, unanimité de la part de la droite et de la gauche parlementaire. 2018,
La réforme du système des ressources propres de l'Union européenne, de quoi s'agit-il? De créer des impôts nouveaux, des taxes environnementales, impôts sur les sociétés, TVA, là encore, un vote unanime de la part de la majorité et de la droite et de la gauche. 2018-2019, accord de libre-échange avec le Canada, avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, avec le Japon aussi. Là encore, c'est la démonstration du fait que l'Union européenne n'est que l'antichambre, en quelque sorte, de la mondialisation. Et enfin, en 2019, protection du budget de l'Union européenne en cas de défaillance généralisée de l'état de droit dans un des États, par exemple la Hongrie. Comme la Hongrie est un petit peu rebelle, eh bien, on décide de la sanctionner, de la priver d'un certain nombre de ressources communautaires. Tout ça se fait, là encore, bras dessus, avec les différentes forces politiques majoritaires de ce Parlement. Alors le choix sera relativement binaire, il sera relativement simple. Le 26 mai prochain, vous aurez à choisir entre soit la pensée dominante qui est incarnée par l'Union soviétique allemande, parce qu'aujourd'hui l'Union européenne, c'est l'Union soviétique allemande. Elle est dominée par l'Allemagne et d'ailleurs on peut déplorer que nos compatriotes, nos députés français, quelle que soit leur couleur politique, à l'exception des nôtres bien sûr, mais déplorer que les députés français sont complètement absents du débat européen, puisque c'est l'Allemagne qui domine aujourd'hui cette Union européenne et que les Français sont totalement absents, y compris le gouvernement français, y compris des gens comme Monsieur Wauquiez qui était ministre des Affaires européennes dans le gouvernement Fillon numéro 3, etc., etc. Ou alors la liste soutenue par Marine Le Pen et conduite par l'excellent Jordan Bardella. Voilà le choix extrêmement simple qui se posera aux Français le 26 mai prochain. Merci beaucoup Jean-François. Ce lapsus, mais c'est parce que c'est mon anniversaire.